Bonjour, je vais vous présenter Cam Studio, qui est un logiciel de screencast, c'est-à-dire un logiciel de capture vidéo d'écran. Vous pouvez le télécharger gratuitement sur des sites comme Softonic, Clubic ou 01.net. Dans votre moteur de recherche, pensez à bien indiquer Cam Studio 2.0 en français. Et une fois que vous l'avez téléchargé, vous avez cette icône qui est sur votre bureau. Vous installez pardon, ce logiciel sur votre ordinateur et une fois qu'il est installé, cette icône apparaît. Double-cliquez dessus et une fenêtre s'ouvre. Alors, cette fenêtre elle est très importante et assez simple d'utilisation. C'est elle qui vous permettra d'enregistrer votre diaporama ou votre écran si vous voulez faire autre chose. Très simplement, vous avez un bouton enregistrer, un bouton pause. Un bouton stop que vous retrouvez dans fichier enregistrer stop pause. Avant de commencer votre enregistrement, vous devez paramétrer votre logiciel. Donc vous allez dans région, vous pouvez enregistrer une région que vous prédéfinissez, vous pouvez enregistrer une région de votre écran fixe si vous voulez enregistrer une petite partie de votre écran par exemple, ou vous pouvez enregistrer plein écran. Vous cliquez sur plein écran puis vous voulez enregistrer entièrement votre diaporama. Ensuite, vous allez sur Options. Options vidéo, on clique. Et vous avez plusieurs formats de compression. Le premier étant le meilleur. Nous restons avec Microsoft Vidéo 1. OK. Nous retournons dans Options. Options du curseur. Alors pour le moment, mon curseur est jaune et circulaire. Si je veux, je peux le cacher. Moi, je préfère le montrer. Je peux changer sa taille. Je peux également modifier sa forme. Donc là, j'ai un cercle, je peux avoir une ellipse, un carré, un rectangle. Je peux enfin modifier sa couleur avec la palette qui se situe ici. Et si ça ne me convient pas, je peux trouver une autre couleur plus précisément. Moi, je vais garder le jaune. Et je rappelle à nouveau sur OK. Une fois que mon diaporama est prêt, je peux le placer, je peux l'ouvrir, le réduire sur la barre d'outils en bas pour qu'il soit prêt à l'emploi. J'appuie sur Enregistrer pour lancer mon enregistrement. Alors, petit problème, je n'ai pas envie que ma barre d'outils apparaisse durant le défilement de mon diaporama. Je vais sur la barre d'outils, je clique droit, propriété, et ici, masquer automatiquement la barre des tâches, appliquer, OK. Je vais sur la barre des tâches, je lance mon enregistrement, je lance mon diaporama, je place ma souris sur le côté, la barre des tâches disparaît et je peux faire défiler mon diaporama à l'aide des flèches de mon clavier. À la fin du défilement de mon diaporama, j'appuie sur. Alors, je peux utiliser, vous avez bien compris, le curseur pour appuyer mon propos durant le défilement de mon diaporama. Si j'ai envie de mettre en valeur une partie ou du diaporama, d'une photo ou d'un texte, j'appuie sur. En fin de diaporama, sur Stop. Et alors, on va faire un test. J'enregistre. J'appuie sur Stop et automatiquement une fenêtre s'ouvre pour me demander d'enregistrer ma vidéo. Alors je vais mettre Diaporama, Enregistrer et vous voyez ça a défilé. J'ai un fichier, j'ai un, comment dire, un player qui s'ouvre pour vérifier que mon enregistrement a été bien fait. Je le ferme et je retrouve effectivement mon fichier ici. Je ferme Cam Studio. Mais j'ai un petit problème. Le début et la fin de ma vidéo correspondent au lancement de Cam Studio et à la fermeture de Cam Studio. Donc, pour éviter cela, pour que mon enregistrement commence bien au moment de mon diaporama et se termine bien sur la dernière diaporama, eh bien je peux
ouvrir ce diaporama dans Windows Movie Maker, et qui est un logiciel également libre, que vous ouvrez. Vous importez la vidéo. Alors je vais aller la chercher. Importer la vidéo. Diaporama. Importer. Le diaporama apparaît ici. Je le fais glisser. Et ici, j'ai un écran de contrôle. C'est le début et la fin qui ne me conviennent pas. Alors comment vais-je faire? Je lance la vidéo. Alors je vais agrandir un peu parce que je ne vois pas trop bien. Donc c'est le début et la fin de ma vidéo. Donc lecture. Stop. C'est là que ça ne me convient pas. Le début là. Donc je coupe. Je me rends ici et j'appuie sur supprime. Et voilà, j'ai enlevé le début. Même chose pour la fin. Je fais défiler mon curseur. C'est à peu près ici que ça ne me convient plus. Alors mon écran de contrôle ne fonctionne plus. Pire, on va faire comme s'il me fonctionnait encore. Je sais que c'est à peu près ici. Je coupe et je me rends ici sur l'image et je supprime. J'ai ainsi enlevé le début et la fin de ma vidéo. Je vais dans Fichier, enregistrer le fichier vidéo, suivant. Je mets comme titre diaporama terminé, suivant. Donc l'enregistrement de la vidéo est en cours. Reste 5 secondes. Terminé. Je ferme ceci. Non. Et voilà, en fait, j'avais l'écran de contrôle qui s'était mis en route seul pour me permettre de vérifier que mon diaporama est terminé. Alors par contre, il s'est pas enregistré sur le bureau, donc à vous de bien configurer l'enregistrement et de le remettre sur le bureau ou d'aller le chercher dans le dossier dans lequel il s'est installé. Bonne journée et à bientôt!